Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube So Fresh and Diet qui vous apportera des conseils minceur, des conseils cuisine et des conseils santé. Bonjour à tous et bienvenue sur So Fresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, je vous fais la lecture de mon article sur la vitamine D par ce manque de soleil, manquons-nous de vitamine D point d'interrogation. Mais d'abord, la vitamine D, c'est quoi? Donc, je vous propose cette définition, synthèse de celle proposée par Wikipédia. La vitamine D est une vitamine liposoluble, donc soluble dans les lipides, présente dans l'alimentation et synthétisée dans l'organisme à partir d'un dérivé du cholestérol sous l'action des rayonnements UV du soleil. C'est la D3 qui est synthétisée au niveau de la peau sous l'effet de ces rayons. La vitamine D intervient dans l'absorption du calcium et du phosphore au niveau intestinal. Elle intervient donc dans la minéralisation osseuse du squelette et des articulations, ainsi que sur la tonicité musculaire. Donc pour répondre à la question « Sommes-nous en manque de vitamine D ?», tout dépend de deux choses, de votre alimentation et de votre exposition au soleil. Les aliments riches en vitamine D sont des aliments riches en lipides. Les plus riches sont l'huile de foie de morue, poissons gras comme saumon, hareng, sardine, thon, le beurre et les œufs. Concernant l'exposition au soleil, sachez qu'il faut une exposition de vos avant-bras et de votre visage minimum 30 minutes par jour pour qu'elle suffise à compenser une insuffisance d'apport alimentaire. De combien notre organisme a-t-il besoin par jour? En 2001, les apports nutritionnels conseillés pour la population adulte française sont de 5 microgrammes, donc de 200 unités internationales par jour, ce qui représente environ une consommation de 100 g de thon par jour. La vitamine D existe sous forme de compléments alimentaires, soit concentré d'huile de foie de poisson, soit à partir de laine de mouton, soit sous forme végétale à partir de levures exposées aux UV. Sachez tout de même que notre foie a une capacité de stockage d'une durée de 6 mois concernant la vitamine D, donc vous pouvez faire une cure annuelle et tout va bien. Et puis d'ailleurs, si vous allez passer tout un mois au soleil, vous êtes aussi tranquille pour les 6 prochains mois. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne So Fresh and Diet et puis abonnez-vous. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Et en attendant, régalez-vous !